Hey, cucu à vous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore un petit challenge chronométré. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'avoir le plus de conquêtes possible en 30 minutes. Sachant que tous les coups sont permis, on va dire ça comme ça, je vous présente mon protagoniste, Jacques. Et il est beau, il est sexy et va s'attaquer à tous les Sims qu'il va croiser. Attention, je vais vous présenter son petit nid d'amour. Vous êtes pas prêt. Derrière cette bâtisse un peu vieillissante se cache une sorte de lupanard. Tadam, vous rentrez, vous avez déjà cette magnifique chambre, ce lit incroyable. Léopard, alerte léopard. Et le reste est plutôt assez basique, classique. Une petite cuisine ici pour se restaurer de temps en temps et une salle d'eau pour pouvoir se nettoyer le corps rempli de sueur après moult efforts sexy. Jacquetard est déjà prêt, il n'attend qu'à rencontrer, il est déjà en train de regarder ses cibles. Oh, regardez-moi ça, il y en a déjà une là-bas pour pouvoir s'amuser, on va dire. Hein. On va s'amuser très très fort, j'ai envie de dire. Écoutez, le timer est prêt, moi aussi, le téléphone également. On va être parti pour 30 minutes. On va compter le nombre de conquêtes. 3 et 2 et 1. Et c'est parti. Alors, en premier lieu, je laisse venir les gens. Je vais créer mon groupe. Ce sera le groupe du Sasuke. Sasuke, voilà. Exigence, non, on s'en fout. Oui, si, quand même, il faut être âge. Voilà, faut être consentant et grand quand même. Alors, et puis, une action sociale. Voilà, embrasser. Ok. Je dis, tous les coups étaient permis, hein. Et à faire crac-crac, voilà. Ça, c'est un super groupe qui va beaucoup m'aider. On va donc... Bonjour madame. Voilà, présentation amusante. Comment elle s'appelle? Francine. Francine, tu vas déjà être dans ma liste. Madame, on s'en fiche, t'es enceinte, c'est pas un souci. Comment ça se fait? Ça n'a pas marché. Ça me dégoûte. Bon, on va juste faire crac-crac, on va même pas s'embrasser. Hein. Pas le temps de niaiser. Ok, c'est bon. Ah, alors, tu te pré... Non, tu... Oh, non, trop tard, grossière, on s'en fout. Allez, hop, hop. Oh, mais regardez-moi ça, ces gens-là. Ah, oh, super. Allez, petite réunion de groupe ici, j'ai envie de dire. Allez, ici, on va faire une réunion de groupe. Voilà, commencer réunion. On s'en fiche, on prend tout ce qui passe. Ah ouais, non, mais là, on perd du temps, là. Allez, Jean-Claude, va chez toi. Ici, voilà, ici ensemble. Voilà, tu vas aller faire... Non, je sais pas, peut-être... Ouais, faire crac-crac. Allez, hop. Bonjour, ça va? Allez, viens, on va ken. Allez, Katrina, allez. Mais crac-crac dans le buisson, je sais pas. Mais vas-y, il faut faire crac-crac, là, par contre. Attends, il y va, là, il vous l'a dit? Regarde, il y va, il vous l'a dit. Bon, le premier à y passer, c'est Vladimir, gothique. Ça commence, ça commence. Oh! Salut toi. De toute façon, il faut faire des activités pour avoir plus de monde dans son truc. Hein. Pour l'instant, il n'y a personne qui fait de saleté dans le groupe. Mais par contre, moi, je veux bien que tu fasses avec... Pourquoi faire un bébé? Faire cracra dans la douche. Allez. Ah, lui, il a pas voulu. Bah, c'est pas grave. Non? Mais si. Alors, regarde. Oh là là, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Présente-toi à tous ces gens. Invite les voisins, c'est ça. C'est assez cool. Bon, en tout cas, Vladimir, ça en fait un. Mais elle est là, elle, maintenant. Allez. On va pas inviter les voisins. Allez. Mais vas-y meuf, t'es chiante. Ça marche pas du tout. Elle est où Lily là? Eh, il faut que le... Oh là là. Bon, déjà je pense que Vladimir, on peut le jarter. Hein. On va faire la réunion. Lui, on peut le jarter. Elle, elle m'a saoulé. On va la jarter. Lui, il a pas voulu, on va la jarter. Ok, alors on va rajouter d'autres. On va en un, voilà. Très bien, en plus ils sont là. Clac, clac. Alors, bonjour madame. Est-ce que tu veux faire crac-crac avec moi? Alors meuf, allez, hop. Allez, mais va ken, mec, je te jure. Et c'est pas vrai, j'en ai qu'un, là. Allez, non, pas dormir. Elle a dit ok, elle veut bien ken, allez. Pardon, excusez-moi, je parle un petit peu comme si c'était peut-être dans la douche, alors. Allez, ok, dans la douche, ça fonctionne. Allez, on est à deux. C'est pas beaucoup, quand même. Hein. Allez, Candy. Candy, qu'est-ce que t'en dis, Candy, qu'on fasse crac-crac? Candy, Candy. Elle va pouvoir se barrer, du coup. Quelle santé, hein. Mais pourquoi ils peuvent pas? Oh, ça y est, aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est parce que j'ai voulu faire trop de zèle en faisant de la déco? Là, il y a de la place. Est-ce que c'est la lampe? Oh, c'est pas vrai, hein. Ah non, mais ça va me gaver, hein, cette histoire. Hein. Allez, tu vas recommencer. De buisson, il est trop loin, en vrai, pour le faire. Donc, hop, allez. Oh, c'est ok! Il y avait un truc avec la construction. On est à 3. On est à 3. Après, on va s'attaquer à Marcus. C'est complètement idiot comme vidéo, mais ça me fait rire. Allez!
Oh, ça s'enchaîne. 4. Magnifique. Magnifique. Ça me fait triper. Il n'y a que Lily et Francine. Hein. Francine, elle n'a pas voulu. Elle est là, Francine. Francine, on va aller la voir. On va la prendre dans le buisson, je pense. On en est à 4, j'ai dit. Allez, go. Oh, oui, on est à 5. Et putain, Marcus, il fout le feu. À la baraque. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Il n'y a que Lily qui veut pas. Hein. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Eh non, moi je prends tout, et je me prends tout, et surtout si c'est gratuit. Hello. Mais elle est déjà en culotte, excusez-moi madame, mais vous attendez que ça, j'ai envie de dire. Oh là 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 là, allez, on va embrasser les mains. Toi, on va y aller en manière traditionnelle, hein. On va y aller de manière tradie. Allez, regarde. Eh, tu parles à quelqu'un qui avait pas d'expérience il y a 5 minutes, mais maintenant il en a une très très grosse d'expérience. Ça marche pas. Attendez, je vais mettre fin à la réunion. Je vais virer ce qu'on a pris déjà. Alors, Candy, Eva, Francine et Marcus. Et je vais en rajouter, hein, bien sûr, Chantal, Hilary, Jade. Et puis, Alika, Mélé. Voilà, c'est très, très bien. Très bien, c'est validé. Allez, je perds un peu de temps avec elle, mais... Non, c'est bon, c'est bon. Mais oui, regarde, ça passe, allez, allez. Tu vas foutre ton attirance. Est-ce que tu peux l'embrasser à un moment donné, là? Ah, parce que... Ah oui, le premier baiser. Oui. Allez, enlacer. Est-ce que c'est ok? Complimenter l'apparence. Faire caca avec Aurélie, c'est bien Aurélie. Oui, nickel. Allez. Et ça fait 6. 6-6. Oh là là. Eh, une manière tradie, hein. C'était tradie pour le coup, hein, celle-ci. Alors, il habite où? Rentre chez toi, mon gars. Parce que là, je sais plus où tu habites. Ouais, d'accord, il préfère pisser dans le buisson ici. Je comprends. Ah, attends, oui, t'as elle? Bon, après, vous pouvez faire ça dans le buisson aussi, non? Faire crac-crac dans le buisson. Allez, go. Allez, va la voir. Il y a un buisson dégueulasse. Oh, ça fait 7. Oh la vache. Ah, c'est ignoble. On va aller prendre une douche avec mademoiselle. Je suis morte. Ils y vont pas. Non, mais vas-y, en vrai. Vas-y, en vrai. Va faire sur la douche, en vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Oh la vache, tout le monde qui a... Oh, toute ma baraque qui a cramé. Mais wesh, même mon lit, il a cramé. J'ai oublié l'incendie, moi. Pourquoi il se passe toujours nawak quand je suis dans mon jeu? J'en ai marre. J'en ai ras le bol. Allez, on va au moins remplacer le lit, c'est pas grave. Si on n'a pas l'argent. C'est pas vrai. Ah, j'en peux plus. Ah, mais il s'est pissé dessus? Allez, va à la douche. Putain, mais l'autre, elle est partie à la douche, là aussi. Ah, c'est pas possible. Allez, go. Allez, madame. Lily, elle va accoucher, là. Bon, au moins, ça fait... 8, 9... Je ne sais plus. Attendez, mais pourquoi? Non mais, non non mais mec, tu c'est pas grave. Allez, fais crac crac avec lui. Oh, ça commence à être, il commence à être fatigué, hein, le pauvre. Allez hop, dans le lit. Hop là. Non mais j'hallucine. Non mais Marcus qui a foutu le feu à toute ma baraque, quoi. Voilà. Ça, je sais plus, on en est 10. C'est quand même un beau score là. D'ailleurs, je peux enlever tout le monde là. Oh, par contre, il est en sale état. On va remplacer le frigo, ça il pourra au moins manger un truc. C'est terrible, ça va même cramer ma lampe. C'est bien, il faut à manger. Bah oui, il n'y a plus de cuisinière. Bah vous sortez vos sous, hein, si vous avez faim. Allez, t'as assez dormi, Jean-Claude. Tu vas te prendre une petite douche. Voilà, t'es bien, t'es remonté. À qui tu n'as pas encore fait l'amour sauvagement? Je sais plus. J'en sais rien. Tu vas mettre fin à la réunion, on va virer ce qu'on a eu. Hilary, c'est bon, elle c'est bon, elle c'est bon, et lui c'est bon. On va rajouter d'autres personnes du coup, hein. On est comme ça, nous, on aime les défis. Après, je m'en fous, je devrais prendre les premiers qui passent, hein. On va prendre Fetou, Mélé, Bako, voilà, on a pris des Bako, beaucoup plus de garçons pour le coup. Hop, allez, on commence la réunion. Les autres s'en vont. Ah, ils sont là, ils sont là. Allez hop, on va commencer direct. Eh, hey, salut beau gosse. Et ça fait 11 ou 12, ou je sais plus. Allez, salut. Ouais, t'aimes le fitness? Ah bah écoute, il vaut mieux, hein, parce que vu la forme olympique que tu tiens, mon grand, il vaut mieux. Par contre, le crac-crac, c'est bien dans le buisson. Allez, et un de plus. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, Fetou et Bako, c'est fait. Il reste Lily. Lily, c'est la plus folle. La plus dingue, elle se laisse pas choper. C'est une coquine. Hein. Alors, lui, c'est fait, tu peux y aller. Toi aussi, tu peux y aller. C'est n'importe quoi. Eh, Mêlé, trop bien. Mêlé, on va s'en mêler. Mêlé, on va s'en mêler ensemble. Tu vas voir, tu vas aimer. Allez. 13, 14.
ça fait du bien. Je suis morte. C'est tellement con. Allez, va reprendre une douche, t'as raison. Parce que tu commences à sentir un peu le sesque. Un peu trop vite, pas trop loin. Ça s'est fait déjà, hein, tous ces gens-là. Hein. Allez, on veut du sang neuf, nous, dans le quartier, voyons. Ah, on en a ici. On en a ici. Ok, très bien. Prendre la réunion, elle va prendre fin. Je vais enlever les trois qu'on vient de se faire. Et je vais en rajouter d'autres. Commis, par exemple. Judith est britannique. On va mettre des célébrités un peu dans l'eau. Ça va être sympa. Ah, coucou, comment tu vas? Allez, hop, un petit... Ça te dirait de prendre une douche avec moi? Ah bah oui, volontiers. C'est terrible. Quelle santé, mes amis, quelle santé. Alors... Est-ce qu'une célébrité, c'est mieux qu'une personne normale? On ne saura pas. Putain, par contre, il est claqué. Eh ouais, le crac-crac, ça use. Hein. Je sais même plus à combien je suis, là. Mais ça commence à faire beaucoup. Allez, Judith, c'est fait. Et Audrey, comment ça va, Audrey? On va s'occuper de toi de manière tradie ou pas? On sait faire, hein, il a la technique, hein, maintenant. Allez, tu vas faire ça, et puis tu vas draguer. Tu vas tout de suite offrir une rose. Hein. Fais, tu l'emmènes déjà chez toi? Quel coquin! Ah oui, d'accord. Ouais, non mais voilà. Dis, c'est quoi ce mec incroyable en face de moi? Ouhouhou! Il t'a abordé dans la rue en 2 minutes, il t'a pris, t'es retourné. Hein. Et hop, premier baiser. C'est trop facile. C'est beaucoup trop facile de draguer. Dans les Sims 4, les Sims sont osés. Ah, faut pas qu'elle s'échappe celle-là. Allez hop, faire crac-crac. Allez, elle a dit oui. Mais elle a dit oui, qu'est-ce que tu racontes? Elle a dit oui, je l'ai vu dire, oh oui, ça me plairait bien. Eh. Mais pourquoi? Mais elle est là en fait. Madame, je vais perdre mon temps. Ah bah dis donc, c'est ça, elle voulait pas... Allez hop, elle voulait pas rentrer, elle avait peur. En même temps, la baraque est à moitié cramée, je comprends quoi. Bon, par contre, Marcus, tu nous fais du quoi là? Tu nous fais du smurf parce que t'as cramé la cuisine et tu veux te la péter? Ça va pas passer comme ça, hein. Par contre, il dort. Ouais, il était crevé. On va mettre fin à la réunion. Ah non, on l'avait pas faite encore. Ok. Attendez, je vire Judith et Brittany. On va rajouter d'autres personnes. Dominique et Moira, voilà. Et comme ça, ils seront en couple. Ça fera bien. Et lui, il est toujours en train de tourner. Normal. Je vais te remonter un peu. Il nous reste 10 minutes. Ça va, en vrai. En vrai, ça va. C'est qui, ça? C'est Audrey? Et lui, c'est qui? C'est Joaquin le chien. En vrai, on va commencer une réunion. Fais ce que tu peux, Jaco. Hein. Ah, Moira, coucou. On va pas faire un bébé, non? On va juste faire crac-crac. Allez, un petit peu de santé, là. Allez, hop. Je sais plus à combien on est. C'est terrible. Oh, Lily est là! Lily a accouché. Je pense qu'on peut enfin y aller avec elle et son mari, d'ailleurs. Hop, son mari, ce sera dans la douche. Elle est mignonne, elle fait le... Ah oui, les vieilles, il a cramé aussi. Hop, c'est à Victor de passer sous la douche. J'en peux plus. Ça enchaîne tellement. Bon bah toi tu peux y aller en fait, maintenant que voilà. Et toi, ce sera dans le lit, hein. Un petit peu tradit comme ça. Allez, on enchaîne. Toi Victor, tu peux y aller maintenant du coup. Voilà, il y a même Lilith qui a envie de se partager le bout de gras. Lily c'est qui? C'est elle? Ah oui, Lily Feng, ah oui je la reconnaissais pas du tout. Itomi, c'est elle Itomi? Super, super Itomi, tu sais quoi? On va pas perdre de temps avec toi, clac clac clac. Toi tu peux y aller du coup maintenant. Et ça, c'est Dominique. Si on arrive à faire tout le groupe en une fois, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ah, madame, tu peux te barrer? Mais j'en peux plus, j'ai enchaîné les 5. C'est terrible. Ah oui, on peut plus. T'as fini, au moins? T'as fini avec Dominique? Je crois qu'il a même pas fini. Oh non. Eh, réveille-toi. Tu dois finir ce que t'as commencé. Dominique, il va pas être content. Allez, tu vas jusqu'au bout, hein. Tu t'endors après, c'est pas un souci, je te donne la nuit pour te reposer. Allez, dors. Yes! Il reste 7 minutes. Ah, mais si tu veux, va te doucher, mon grand. Par contre, tu mets fin à la réunion, parce que ça, il se casse. Et on peut reprendre 5 nouvelles personnes, et ça qui est beau. Ah, j'avais dit, tous les coups sont permis, hein, maintenant, voilà. Hein. Comment il a eu tellement de conquêtes, là. Incroyable. Il a des nuits agitées, quand même. Hein. Allez, retourne dormir, ça va aller mieux, t'inquiète. Finis ta nuit, tu prendras un bon petit déj. Pour être en forme. Regardez-moi ça, il se lève plein de confiance. Oh, il y a une... La beubare et les poils qui ont poussé, no way. Allez, tu manges, c'est bien. La réunion peut donc commencer. Allez, on va commencer avec madame. Ah, Clara est sûrement enceinte, ça, c'est pas un souci. Ça veut dire que c'est déjà occupé, toi tu peux y aller du coup. Hop là. C'est horrible. Ce que je fais.
Comment j'aurais la décence de sortir ça sur YouTube, quoi. Allez, bah ça fait une de plus, hein. Par contre, ils sont où les autres? Michael et tout, là. Qu'est-ce que c'est que cette honte? Vous venez à la maison ou quoi, les gars, là? C'est quoi ces mecs qui ont peur, là? Ah, il est là, lui. Ah, il arrive. C'est... Il va arriver. Parce que c'est pas tout ça, mais nous, il nous reste 5 minutes et il faut qu'on fasse le plus de personnes possible, en fait, gars. Allez, on va aller passer dans la douche, ça va nous rafraîchir un petit peu. Oui! Ah bah Bjorn, il a l'air d'être content. Par contre, pourquoi j'en ai deux qui sont pas pointés? Ça, c'est un problème. On va mettre fin à la réunion. Je vais les virer, hein, évidemment. On va essayer d'en remettre d'autres qui sont susceptibles d'arriver. Alors, Elphabia. Tac. Allez, go. On va commencer avec eux. Je sais qu'elle est dans le coin, donc c'est parfait. On va tous les faire venir. Le crapaud. La crapaud, la femme crapaud. Oh, bah, c'est pas... Il... Oh, la bise, carrément. Attends. On va passer à l'étape supérieure direct. Allez, Jacques. Jacques! Non, Jacques, allez, Jacques! Voilà! Ça se passe comme ça ici. Alors, c'est un parti pris d'avoir fait un loft, hein, que tout soit ouvert surtout. C'est un risque, mais voilà. On va pas faire un bébé à cette mocheté quand même, on va pas non plus. On va juste faire ça dans la douche. Hop! Hop là! Et hop, c'est parti pour elle. Et il manque que lui du coup. Alors, toi, tu peux partir par contre, maintenant qu'on t'a. On t'a souillé. Et il reste 3 minutes 30! C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Allez! Zou, partant, va-t'en, voilà. On est sur les derniers crac-crac, hein. Et Michael et Lavina ne sont pas du tout là. C'est fini, on met fin à la réunion. Clac, je sais pas si j'aurai le temps de mettre d'autres personnes. Hector, il a pas voulu, hein, il a été plutôt... Il y a personne... Mais non, mais il y a plus personne sur la map, là. Il y a plus personne sur la map, au secours. Ils sont tous déjà passés dans son lit. Pas épuiser toute la map. On va remettre Hector, hein, peut-être que ça va faire quelque chose. Hein. Victor Feng, il est pas content quand même. Hein. Les autres, bah écoutez, on va mettre Victor, hein, on va commencer la réunion. Hector, pourquoi tu voulais pas tout à l'heure? Allez, fais-moi plaisir. Viens là, sois pas timide. Oui! Oh Hector, c'est bon ça. Oh, là, il faut quand même répandre la joie, hein, du crac-crac. Il reste 2 minutes, mais oui. Je veux des Sims, il n'y a plus personne. Meredith, allez Meredith. Meredith, elle est là. Yes. C'est sportif, hein, comme défi quand même. Hein. Ah, le Sims là, Jacques, il en peut plus. Hein. C'est... Mais mec, t'es jaloux. Tac. Il dégage plutôt. C'est moi qui vais le virer. Il y a que Michael qui lui, vient pas. Ah, Geoffrey. Allez, pour les 1 minute qui reste. Geoffrey Plenosas. Il est là. Il est là, Geoffrey. Geoffrey dans la douche. Je ferai mouche. Geoffrey. Oh là, ce look. Allez. Il reste 40 secondes. Oui. Ah là là. Et le dernier, c'est Geoffrey. Je le fais quand même finir avant la fin du chrono, sinon c'est pas drôle. Ah, on finit en apothéose, c'est le cas de le dire. Ah, mon pauvre Jacques, tu as tellement assuré. Bravo à toi, clairement. Et on dirait un orang-outan, le gars. Il a sa cuisine est cramée. Mais alors, qu'est-ce qu'il a bombardé, hein? C'est fini. C'est fini, l'aventure. SQL de notre Jacquetard est terminé. On va à peu près, parce que là, moi, j'ai perdu le compte, hein, je vous le dis direct. Voilà, il y a un peu d'amour avec chaque personne à qui il a... Non, ça fait beaucoup quand même. On en a 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 7 fois 4 plus 3. Alors, moi, je suis nulle en maths. 7 fois 4 plus 3. Ça ferait 31 personnes. Mais non... Il y en a effectivement 31, dont deux qui ont été faites à la loyale. Aurélie et Audrey, elles ont été draguées dans la rue et ramenées dans le lit quand même. Comme ça. 31 Sims de conquête en une demi-heure. Écoutez, c'était n'importe quoi ce petit challenge, ce petit défi, mais moi ça m'a fait beaucoup rire. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à partager, à commenter, à liker comme d'habitude. Et si vous avez envie de le tenter, dites-moi combien de Sims vous avez réussi à séduire. N'est-ce pas? Allez, je vous fais des très gros bisous. Allez, à très bientôt pour une autre aventure.